Hélène a 40 ans et dans son entreprise, c'est une employée modèle. Personne ne sait qu'elle est victime de la précarité. Expulsée par les huissiers, elle dort dans sa voiture. Foiré d'huissier, là. Pour survivre, tous les moyens sont bons. Jusqu'au jour où son patron apprend la vérité. Vous êtes viré. J'ai perdu mon emploi. Dans cette épreuve, Hélène peut compter sur Polo, un SDF du quartier. Allez, princesse. Et Agnès, son ancienne collègue. Hélène, on veut tous t'aider. La solidarité autour d'Hélène aura-t-elle raison de son patron? Cette histoire est inspirée de faits réels. Il est 7h du matin. Hélène, 40 ans, quitte son appartement. Elle l'avait acheté à crédit il y a 2 ans avec son mari. Depuis, ils sont séparés. Ne pouvant régler les traits toute seule, elle vient d'être expulsée par les huissiers. Elle n'a plus que sa voiture en guise de toit. Je fais quoi, moi, maintenant? Foiré d'huissier, hein. Cette dégringolade, elle la doit au départ de son mari après 20 ans de vie commune et aux dépenses auxquelles elle ne peut plus faire face. Ouais. Aujourd'hui, courage. Hélène est à la rue. Allô? Oui, maman. Bon, ça va, ma petite maman, aujourd'hui? Mais non, t'inquiète pas. Un électrocardiogramme, c'est normal dans ton état. Je t'assure. Moi? En pleine forme, maman, pas de soucis. Pour Hélène, pas question de parler à sa mère de sa situation. Ok, oui. Bon, écoute, maman, tu m'excuses, mais là, je dois raccrocher, faut que j'aille au travail, hein? Oui, je te fais des bisous. Au revoir, maman. Ma mère, je sais pas comment vous dire. Elle m'a toujours tout donné. Elle était devenue si fragile. Le cœur, vous voyez. Alors, bien sûr, je lui ai trouvé une maison médicalisée. Un petit nid douillet, comme elle disait. Mais c'est que ça douillait aussi financièrement. Pardon. C'est vrai que tout mon salaire y passait. Avec le départ de mon mari, j'avais plus le choix. Je mettais ma mère à la rue, ou alors c'était moi. Vous auriez fait quoi, vous? Pour ne pas perdre la face, Hélène fait comme si de rien n'était. Hélène n'a pas tout perdu. Il lui reste son travail. Avant de s'y rendre, elle prend le soin de se changer afin de faire bonne figure devant ses collègues de bureau. Personne ne doit savoir ce qu'elle traverse. Tu parles d'une gymnastique. En plus, à tous les coups, je suis en retard. Hélène est chef de projet dans une entreprise de BTP depuis quelques années. Elle est très appréciée par un patron exigeant qui ne jure que par elle. Ah, vous êtes là, Hélène, bonjour. Bonjour. Dites-moi, le soir, il y a bien rangé les dossiers bleus, là, avant votre départ, là, hein? Faut pas laisser ces dossiers comme ça, là, à la vue de tous, là, vous comprenez, oui? Oui. Je compte sur vous. Oui. Bien. Ah, bonjour, Agnès. Vous êtes sur le projet crèche à Bagnolet, aujourd'hui? J-3, non? Mais on sera prêts, pas de soucis, Pierre-Nicolas. Oui. Je compte sur vous, Hélène. La seule personne de confiance ici. Tu parles. Bonjour Agnès. Ravie de te voir également. Dans son entreprise, Hélène est appréciée de tous. Sauf d'Agnès, sa collègue qui convoite son poste et jalouse la relation de confiance qu'elle entretient avec Pierre-Nicolas, le patron. Je suis désolé. Quand on fixe un délai, on s'y tient. C'est comme ça. Ah non, les gens ne se tiennent pas. Bonjour Madame Louison, c'est Hélène pour la commande. Il me faudrait une dizaine de pains au chocolat. Des croissants et... comment ça s'appelle déjà? Oui, des chouquettes, voilà. Mm-hmm. Oui, pour jeudi. De toute façon, je vous fais un fax. Merci, c'est gentil. Au revoir. Tu sais qu'on peut confirmer par mail au 21e siècle. Des pains au chocolat, c'est ringard. J'aurais pris des sushis. Ça, c'est la classe. Mm. C'était complètement schizophrène. Le jour, la vie continuait, avec le boulot et les vacheries d'Agnès. Et le soir, je retrouvais la rue, ma voiture, ma lampe de poche et le linge qui séchait à l'arrière. Depuis plusieurs jours, Hélène dort dans sa voiture. Au quotidien, elle doit faire preuve d'imagination pour préserver un peu d'intimité. Mais quand les difficultés viennent de l'extérieur, c'est beaucoup plus difficile à gérer. Hé, y a pas une clope ou un ticket restaurant?
Et je sais que t'es là. Donne-moi au moins une petite pièce. Mais vous comprenez pas ce que ça veut dire, ça? Je suis occupée. Alors vous me laissez tranquille, compris? Oui, mais c'est qu'elle mordra, la bourgeoise. Mais dis, je sais qui t'es. Hein. Je sais que tu crèches dans ta bagnole. Faut céder, non? Entre clodo. Ça va pas, non? Mais attendez, toi et moi, on n'a rien à voir, d'accord? Alors tu te tires. Ouais, ça va, Miss Monde. Hein. Je me souviens qu'il m'avait traité de clocharde ou quelque chose comme ça. Ça a été un choc. Je me voyais pas du tout comme une SDF. Au contraire, vous allez rire. Je me voyais comme une héroïne de film qui, à la fin, s'en sortait sous les applaudissements. Là, j'ai réalisé combien j'étais tombée bas. J'ai vomi. Pardon du détail, mais j'ai vomi toute la nuit. J'avais honte. Le lendemain matin, il est 8 heures. Ces derniers temps, Hélène est la première arrivée à l'entreprise. Mais ce n'est pas par excès de zèle, plutôt par nécessité. Ouh, t'as vraiment une sale tête tôt aujourd'hui. Hein. Juste le jour où il faut pas. Le temps lui est compté. Hélène n'a qu'une heure avant que la réceptionniste ne prenne son service. Une heure pour profiter des sanitaires de l'entreprise et se mettre dans la peau de l'élégante chef de projet. Hélène est enfin prête. Elle peut entamer sa journée de travail. L'illusion est quasi parfaite. Eh ben, la nuit a été courte, à ce que je vois. Merci, Agnès. Et bonjour. Pour l'entreprise, c'est une journée importante. Si le contrat est signé, il pourrait apporter beaucoup d'argent à la société. Allez, allez, Hélène, on s'active, là. Et les esquisses, c'est vrai? J'en ai fait 6 copies. C'est comme pour les viennoiseries, il y en a un petit peu trop, mais c'est pas grave. Oui, mais il faut vous y prendre plus tôt, là, Hélène. Hein. Il est 9h, le client va arriver. Hein. Vous allez le recevoir comme ça, avec les doigts gras? Non, je vais m'essuyer. Bonjour, Philippe. Je suis ravi de vous voir. D'autant plus que vous allez être content, on a très bien travaillé. Vous connaissez Hélène, bien sûr? Bien sûr. Bonjour. Bonjour. Hélène, vous nous rejoignez dans la salle de conférence avec les dossiers et les douceurs. Bien sûr. Tout s'était bien passé. Le contrat était signé. Et même Pierre-Nicolas avait sa tête des bons jours. Et puis, je sais pas ce qui m'a pris. Pour Hélène, ce gâchis est insupportable. Pourquoi jeter ses viennoiseries alors qu'elle en a besoin? La tentation est grande. Bonne réunion, n'est-ce pas, Hélène? Mais c'est pas vrai. Dites-moi que c'est pas vrai. Mais je suis vraiment entouré d'une bande de bons à rien. Vous volez? Vous volez l'entreprise? Non. Ne me dites pas non, je vous ai vu avec votre sac. On réglera ça demain, hein. C'est tout de même pas vous qui allez me gâcher ma journée, hein. Une voleuse? Mais non, ça n'avait rien à voir. On allait les jeter, de toute façon, ces pains au chocolat. Et puis dans la pension de ma mère, je faisais ça aussi. Personne ne m'avait jamais rien dit. C'était juste histoire d'améliorer un peu mon quotidien. Et puis, c'était un jour de fête avec la signature du contrat. Après l'humiliation qu'elle vient de vivre au bureau, la malchance poursuit Hélène. Et les ennuis continuent de plus belle. Alors, elle a perdu quelque chose, la petite dame? Mais je comprends pas, j'avais garé ma voiture là et elle y est plus. Bah, la bourgeoise, elle s'est fait enlever sa voiture par la fourrière. Bah oui, c'est jour de marché aujourd'hui, t'as oublié? Oh non. Oh non, mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Ma mère, comment je vais faire pour aller la voir dimanche? Et vous là, vous pouviez pas faire quelque chose? Ouais, tout doux, princesse, hein. En plus, c'est faux. Je suis allé les voir, moi, les bleus. J'aurais même dit qu'il fallait pas qu'ils l'embarquent, cette caisse. Hein. Qu'est-ce que tu veux qu'ils m'écoutent? Tu m'as écouté, toi, l'autre fois? Ça, c'est sûr que je l'avais à l'œil, la princesse. C'est qu'une femme seule dans la rue, elle fait pas de vieux os, alors je l'ai emmenée dans ma cahute. Bon, un peu de force au début, je dis pas. Elle était pas très confiante, la princesse. Sans voiture pour dormir, Hélène n'a d'autre choix que de suivre Polo dans son squat. Le lieu la mettrait mal à l'aise. C'est là. Elle ne s'y sent pas vraiment à sa place. Alors, je veux pas vous blesser, mais dormir ici, moi, je vais pas pouvoir. Non. Et te casse pas, princesse. Tiens. Pose tes fesses ici.
Je vais nous faire un petit café. Je crois qu'il me reste une boîte de thon. Voilà. Allez, princesse, pendant que je fais la dinette, toi, tu me racontes comment t'as perdu les pédales. Au départ, je voulais même pas rentrer. C'était sordide. Et lui, qu'est-ce qu'il me disait qu'il allait pas m'attaquer? Après tout, je le connaissais pas. Du moins, pas encore. Parce que c'est un bavard, le Polo. Il m'a raconté sa vie d'avant. C'était un type bien, vous savez. Il était chef de chantier. Hélène se résigne à passer la nuit dans l'abri de misère de Polo. Elle préfère ça plutôt que demander de l'aide à ses proches. Il est 8 heures du matin. Après une première nuit éprouvante dans le squat de Polo, Hélène fait sa toilette dans les sanitaires de l'entreprise. Ce matin, elle en profite même pour laver son linge. Ah, très bien, alors ça, pour prendre les agios, ça par contre, vous êtes fort, ça y est. Qu'est-ce que vous faites, Hélène? Alors, vous volez et vous lavez votre linge ici, maintenant? Mais vous croyez où, là, Hélène? Alors, écoutez, hein, si vous n'avez pas de dignité, ça vous regarde. Mais vous êtes viré, vous entendez? Allez, allez, du balai! Léo! Sans force pour se battre, Hélène est sous le choc de son renvoi. Elle n'a plus que Polo pour la soutenir. Qu'est-ce que tu fais là, princesse? Tu travailles pas? Ça va? Allez, tu vas me raconter. Allez, princesse, quoi. Vite ton sac. Il m'a viré, Polo. J'ai perdu mon emploi. Je m'en sortirai plus maintenant. C'est fichu. Après ça, elle a plus parlé, ma princesse. Ni rien becqué. Elle est restée, je sais pas moi, peut-être 3 jours à dormir sous la cahute. Sans sortir. J'étais inquiet parce que quand t'es dans la rue, si tu te bouges pas, t'es mort. Alors je l'ai fait réagir. Polo est révolté par l'attitude de Pierre-François, l'ex-patron d'Hélène. Il est persuadé que s'il venge sa protégée, elle ira mieux. Il traîne donc Hélène devant son ancienne entreprise. Hey, la princesse, tu fais confiance à ton Polo, on va lui mettre une raclée à ton Pierre-Nicolas. T'es sûr? Il y a que ça pour t'en sortir. C'est lui. Ah, tu tombes bien, toi. Oh, prends pas ce petit air-là avec moi, hein. Tu me connais pas, mais moi, je te connais. Et elle, tu la connais aussi. Et vous, monsieur, vous savez qui c'est, ce mec-là? C'est une ordure. Vous savez ce qu'il fait à ses employés? Il les laisse crever dans la rue. Une charogne. Eh, c'est ça, là. Allez, casse-toi, là, avant que je t'éclate ta sale petite gueule. Connard. Il faisait pipi dans son froc, ton Pierre-Nicolas. T'as raison, on rentre, princesse. Après l'esclandre du matin, Polo et Hélène regagnent leur refuge de fortune, là où personne ne s'aventure. Personne, ou presque. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger, je... C'est un de vos amis qui m'a dit que je pourrais vous trouver là. Je suis une collègue d'Hélène. Hélène, Hélène, réveille-toi. Hélène, je suis désolée, je voulais te le dire. Agnès ? Attends, mais c'est pas possible, tu vas me poursuivre longtemps comme ça ? Ça te suffit pas, ce qui m'arrive ? Agnès est l'ex-collègue d'Hélène, celle qui n'a jamais été aimable avec elle. Moi, je te connais. Ce matin, elle a assisté au coup de sang de Polo. Prise de remords, elle les a suivis jusqu'ici. Laisse-moi t'expliquer. J'ai vraiment eu honte ce matin. Attends, c'est pas possible. Tu viens me débusquer ici pour me dire que je te faisais honte ? Mais attends, laisse tomber, va. Tu vois pas, tu es déjà au fond du trou ? Garde ton venin pour une autre ! Non, c'est pas ça. C'est moi qui ai honte. D'ailleurs, au boulot, on a tous honte. On a tous envie de t'aider et je suis désolée d'avoir rien vu, d'avoir rien fait pour t'aider. En plus, je travaillais en face de toi, c'est... Je savais pas, je te jure, je savais pas pour ton renvoi, pour l'appart. Je suis vraiment désolée pour toutes les vacheries que je t'ai dites. C'était idiot. Mais ce qu'a fait Pierre-Nicolas,
C'est vraiment dégueulasse. Hélène, on veut tous t'aider. Ma meilleure ennemie qui vient me voir. Alors là, c'était le pompon. En fait, c'est incroyable comme tout a basculé en quelques jours. Mais le plus dingue, c'est ce qu'on avait mis au point. De toute façon, j'avais plus rien à perdre. Si Agnès est venue chercher Hélène, ce n'est pas seulement pour lui présenter ses excuses. Dans l'entreprise, tout le monde se doute que Pierre-Antoine, le patron, trempe dans des affaires louches. Il est grand temps que justice soit faite. Hélène sait comment s'y prendre. Ça t'énervait, hein, pas savoir ce qu'il y avait dans les dossiers bleus. Bah voilà, maintenant tu sais. Et pourquoi il fallait bien les ranger. En tout cas, je suis bien placée pour savoir où sont rangés les dossiers de l'année 2009. Il suffit juste de trouver l'appel d'offres en question. T'es sûre? T'es vraiment décidée? Oui. Polo m'a convaincue. Il faut le faire. Mais tu me lâcheras pas, hein, Polo? On y va ensemble? Bien sûr. Et t'es certaine que t'auras pas besoin de moi? Non. Toi, tu me donnes juste le badge pour rentrer. Le lendemain, Hélène, aidée par Polo, met son plan à exécution. Il est 21h, les bureaux sont déserts. Hélène connaît bien l'entreprise et tous ses recoins. Dans la pénombre, elle repère vite les preuves qu'elle cherche. Oh, mais c'est pas vrai la clé, mais quelle conne! Je l'ai rendue avec mon badge. Laisse-moi voir ça. Oui, ma chérie, c'est moi, tu vas bien? Et je pars du boulot, là. Mais non, ma femme est partie chez sa mère. On aura toute la nuit, cette fois. Voilà. Allez, je t'embrasse. Moi aussi, je t'aime. Hélène et Polo l'ont échappé belle. Leur virée nocturne a failli tourner au fiasco. Oh, ils ont eu chaud. C'était le patron. Mais quelle ordure. En plus, il trompe sa femme. Bon, en attendant, comment on fait pour cette future voir? Regarde ça. Voilà. Mais dis donc, je crois que t'étais dans le BTP, toi, avant. Pas dans la serrurerie. Là, 7 juin 2009. Cher monsieur, j'ai l'honneur de vous confirmer. C'est bon! C'est bon, on le tient. Alors, tu refermes et on file. Mission accomplie. Avec ces dossiers compromettants, Hélène va pouvoir faire tomber Pierre-Antoine. C'est de la bombe, non? C'est même de la bombe atomique. Hein. Qu'est-ce que tu en sais, toi, d'abord? T'es comptable maintenant? Bah, dis donc, j'en ai vu passer des magouilles. Hein. J'en ai fait aussi un peu, mais des toutes petites autres. J'étais un gars respecté dans mon autre vie, tu sais. Monsieur Paul qui m'appelait les gars sur le chantier. Ah, ouais, ça te la boucle. Merci, Polo. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. De rien. Hélène et Polo ont envoyé les dossiers à l'inspection du travail. Ils attendent des nouvelles. Entre-temps, Agnès leur a apporté des vêtements propres et fixé un rendez-vous. Mais elle n'en dit pas plus. Alors, t'as des nouvelles? Ça fait des siècles qu'on l'a posté, ce foutu dossier. Attendez. Ah bah tu vois, je te l'avais dit qu'elle tirait bien ses fringues. Bon, c'est vrai que t'es un peu plus braqué que mon frère. On y va? On y va? Mais attends, mais on va où d'abord? Et notre lettre? Le mieux, c'est que vous compreniez par vous-même. Il faudrait que tu viennes au bureau. Au bureau? Est-ce que la police nous attendait? Pourquoi Agnès nous ferait un tel coup? En même temps, elle laissait entendre qu'il y avait un problème. Alors, peut-être que Pierre-Nicolas voulait négocier. Je sais pas. Tout s'embrouillait. Hélène est à quelques mètres seulement de l'entreprise. Je le sens pas, Paul. Ah bon? Elle redoute ce moment et ne sait pas à quoi s'attendre. Elle pense même à fuir. Ça veut bien dire ce que je crois? Oui, il a été arrêté ce matin, cette enflure de Pierre-Nicolas. T'aurais vu sa tête coincée entre deux flics. Ok, arrêtez de m'étouffer. Ok, venez, on a préparé une petite fête. Pierre-Nicolas est reconnu coupable d'abus de biens sociaux et condamné à 4 ans de prison avec sursis.
Lors de son procès, il a présenté ses excuses à Hélène. Aujourd'hui, il est sorti de prison et n'a toujours pas retrouvé de travail. Oui, oui, c'est ça, des sushis. Non, vous savez quoi, plutôt des petits rouleaux de printemps. Oui, les croustillants, là. Voilà. Parfait. Bon, de toute façon, je vous récapitule tout ça par mail, Madame Louison. Merci, bonne journée. Au revoir. Agnès occupe les anciennes fonctions d'Hélène. Avec ses collègues, ils ont repris l'entreprise en main. Hélène a tourné la page. Après avoir refusé de reprendre son ancien travail, elle a accepté un poste dans l'édition, dans lequel elle s'épanouit pleinement. Mais quelle élégance! Polo est aidé par une assistante sociale et il essaie de se réinsérer professionnellement. Il s'est installé avec Hélène, mais le couple ne souhaite pas en dire plus. Seule confidence, chaque dimanche, ils rendent visite à la maman d'Hélène.